Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarina Knights. Aujourd'hui on se retrouve sur Mythopia, on a même reçu une lettre. Ah c'est beau. Alors on va attendre un peu avant de l'ouvrir, je pense. Pour profiter de cet écran avec des points d'exclamation qui gigotent. J'espère que Et en fait j'aime pas, donc je vais ouvrir la lettre. J'espère que tous nos mis sont bien là, parce que je t'avoue que... Oui, on vient de passer de la démo au vrai jeu, j'espère que ça va pas bugger. Cher Tali, c'est moi attends, le Attends, maire. Tu peux pas dire cher Tali alors qu'on vient de recevoir un abonnement de Crystal Kiryu qui nous dit « Ça y est, Twitch m'autorise enfin à partager mon abonnement. Bonsoir. Comment ça va ? Eh bien ça va, j'espère que vous également vous allez bien de votre allez, côté. Comment c'est écrit ? Bah c'est... il a du mal ça. Ah il... oui il... C'était moi. L-E-M-A-I-R-E-D-E-S. C'est juste écrit mais. Mais, oui bah non, bah oui, pas maï. Désolé, pour l'ec, riture. N'arrête pas de trembler. Sight. Courage, Sight. Non mais Sight, tu vois, à la fin. Sur ces belles paroles... Ah bah d'accord, 4 tickets de jeu comme ça, ça commence direct. On commence Mythopia. Que va-t-il nous arriver? C'est une blague, vomi ridicule, mais non, il est pas ridicule. Ok, donc toute la team est bien présente. Bon, la team est bien présente, j'espère que tout ira bien. On verra au prochain tirage. Les lots n'ont pas changé, mais bon, je crois que je l'ai... Ouais, je sais pas. Allez, on s'en va. Allez, c'est parti. C'est parti, on s'en va. On a changé un peu Ribbon, comme vous pouvez le constater. Oui, bah j'avais dit... Ah bah voilà, Ribbon Kamui. Bande de Broly, là, on vous reconnaît, vous avez vu. Comme Ribbon, ça fait partie des mix que j'avais fait à l'arrache, j'avoue que je comptais repasser dessus de toute façon. J'étais underlevel par rapport aux autres. Mais non, il a même des... Si, il est underlevel parce qu'en fait, à un moment donné, il devait avoir un bonus d'exp et je l'ai donné à Tali. Ouais, mais Black Doom, il est pas censé être sur le même niveau. Bah non, parce qu'il a eu le bonus d'exp et lui, du coup, il a dépassé Vegeta. D'accord, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, c'est Ice, le hamster. Attends, quoi déjà? Mais oui, Hamtaro, tu connais? Ah oui, d'accord, on est sur un boss. Wouah, Sourice. Sourice, on en est où sur la démo? On a le vrai jeu, là, c'est le véritable jeu. Vous ne voyez pas, il n'y a pas écrit en gros démo à gauche. Yeah. Bon, je rigole, ils font pas ça à Nintendo. Il y avait pendant un temps des trucs comme ça où c'était écrit en gros démo quand c'était une démo. Ouais, je vais attaquer le champion sur le côté quand même. Ah bah en plus, maintenant faut pas que je passe vite là, c'est un boss. Ah, pour les boss, tu veux que ça aille. Le jeu est déjà sorti? Bah oui, on est le 21 juin comme je le disais hier. C'est faux, oui, c'est vrai que le jeu sort le 21 juin, il faut le rappeler. On est le 21 mai donc le jeu est sorti depuis. En ce moment, les dates de sortie, c'est pas trop ça. Il y a un autre truc où je me suis trompé, il y a une date de sortie. Oui, mais c'est pas grave. Bon, j'imagine. C'est vrai, tu veux vraiment que je te le dise? Bah vas-y. C'est un jeu, il s'appelle Spirit Track et... Ah, mais c'est vieux ça maintenant, mais... ça date d'il y a plusieurs mois, c'est bon. Plusieurs années même. Allez, on continue. Comme je l'ai dit... Ah bah voilà, Vegeta les niveau 4. Si tu achètes ton jeu de Spirit Tracks... Oh, il a pris foudre! Il fait des éclairs magiques! Bah écoute... Ah, voilà le bonus text pour le petit Vegeta. On va pouvoir libérer le petit ami de Icy et ça lui fera très très plaisir. J'en suis persuadé. Bah oui. Mais Spirit Tracks est sorti en 2019. Si vous l'achetez au neuf en 2019, y a pas de problème. Pourquoi il y a déjà 4 équipiers? On va super vite dans le jeu en fait. Oh, du dialogue. Non, on a le jeu en dématérialisé. Black Doom a acheté un cadeau, mais quel gentillesse! Et il lui achète un cadeau. Black âme couleur. J'ai fait des courses. Black Doom a apporté un cadeau pour Tali. Tout le monde offre des cadeaux à Tali, hein. Ah, donne-le-moi! Un vélo hors d'usage. Je l'ai trouvé au détour d'une ruelle. Je l'ai trouvé dans le dépotoir. Bah. Tali n'est pas très contente. Black Doom ne connaît pas les... Je comprends pas pourquoi vous l'aimez pas, mon beau cadeau. Ah, il n'y a pas beaucoup à manger aujourd'hui, alors on ne va pas donner à manger. Bah, aujourd'hui, vous mangez pas. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Mais on a un billet voyage tout confort, et ça, c'est quand même sympa. Tu veux tenter le voyage tout confort? Je me souviens plus des voyages. Mais Black Armour détruit ce vélo. Du coup, je te l'ai. Allez, regarde, tu vas gagner la baguette, évidemment. Parce que...
C'est pas mal. C'est bien en soi, c'est bien, c'est bien. Je suis en mode, oh là là, regarde. Oh, elle est trop belle en plus. Ouais, franchement, elle est jolie. Mais de toute façon, il y a des jolis équipements dans ce jeu. Qu'on se le dise. D'où Vegeta est bon, mais vous ne connaissez pas Super Vegeta? Mais oui, c'est Super Vegeta. Parce que c'est pas juste Vegeta qui participe à l'aventure. Bah, attendez, vous croyez que Vegeta il va participer à l'aventure? Mais évidemment que non, il va se mettre en transformation. Oui. Oh, regarde, non, des sucs de papillon. Pas les sucs de papillon. Plus personne aime ça, je crois. J'ai pas encore regardé l'épisode 1. Bah, c'est pas grave. Dommage. Attends, on en gagne 3, t'en gagnes pas qu'un. Allez, attends. Je veux mon... Regarde, vous allez gagner le bâton en argent. Tali est censée être beaucoup plus grande que ça, mais qu'est-ce que tu en sais, Psy Magnette? Ah, le voilà ton voyage. Yes. J'espère que ça... C'est Majin Vegeta. J'avoue, j'aurais pu, là. Mais non, non. Bah non, il est gentil, là. Alors, qui veut faire un voyage tout confort? Black Doom, il en a besoin. Ah bon, bah il part avec Tali, évidemment. Les bagages, passeport, argent, affaires de rechange. Allez, c'est parti. Il a pris notre tâche. Si tu as modifié ton Mi, le renard Zenko, nous on aura l'ancienne version, on n'aura pas la nouvelle version. C'est de la profite à fond de leur voyage ensemble. Ah, il y a pas de... Ah non, il y a rien. Non, c'est comme l'ancien. Je pensais que j'allais gagner un billet, en fait. Mais non, il y avait un truc où c'était ticket de d'amitié, je sais plus quoi, là. Ouais. J'ai oublié. Ticket de sortie, il y en avait, mais pas aujourd'hui. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Oui, d'accord. Moi, je dis que quand même, Vegeta et Ribbon, ils ont envie de partir quand même quelque part, donc ils vont aller au café. Ah, bah, comme ça, on verra un nouveau Mi. Ah oui, en plus, comme ça, on verra un Mi. On va se détendre au café. On va en courant aujourd'hui. Ah bah, quand même, ils sont pressés, tu vois. Ils sont pressés de voir quel Mi ils vont rencontrer. Oh, il boit vite, là, Vegeta. Oh, il mange un petit gâteau à la fraise, on dirait. Tout à l'heure, j'ai oublié mon portefeuille. Ah bah, Vegeta, ça va être à toi, hein. Ah! Tu vas pas le croire, moi aussi. En même temps, ça m'aurait étonné que Vegeta, il a... Envoyez la note à Bulma. Oh, ils ont créé un lien de contact, et ça, c'est beau. Quand vous n'avez pas boire en terrasse, bah écoutez, non, c'est Vegeta, il en a rien à faire, il a fait vous ouvrir le chemin, sinon... Non mais c'est bon, ils ont envoyé la note à Bulma, c'est sûr. Mais oui. Allez, c'est parti. Ah mais Black Doom et Vegeta, vous vous connaissez pas encore, il faudrait qu'on fasse des liens là. Comment ça, ils se connaissent pas, c'est pas possible. Bah ils ont pas de liens. Ils sont pas, il me semblait qu'au début ils partageaient déjà leur... En fait ils ont partagé leur chambre, mais direct ils voulaient partir l'autre nuit en fait. Non, c'est pas genre Tali qui voulait... Oui, c'est Tali qui voulait voir la chambre de Black Doom. Allez, va libérer Ice, il sera bien... Enfin, Ice sera très très heureuse de pouvoir recommuniquer avec son ami, son petit ami Ice même. Regarde, même le Mi, il est là en mode, mais donnez-moi mon masque, bon sang! Enfin, mon masque, mon visage, là, qu'est-ce qui se passe? Aïe, cette lumière! Regarde, il est revenu, mon visage! En tout cas, c'est grâce à cette noble voyageuse. Pourquoi j'ai envie d'avoir le hockey maintenant, là? Merci beaucoup! 3 tickets de jeu, rien que pour nous. Dis-moi, comment me trouves-tu? Encore plus beau, belle que dans mes souvenirs. Wow! Je crois que j'ai passé. Non, c'est bon. Allez, il reste plus que Pierre à sauver. Notre paisible ville du début, je dois informer le roi sans plus attendre. Ah, madame le voyageuse, je ne sais vraiment pas ce que je dois faire. Moi non plus. J'ai raté quoi? Pas grand. Tout. Tu vas rencontrer notre rencontre avec... Tu vas rencontrer notre rencontre. Moi, non, j'ai dit tu as raté notre rencontre. Ah, attention, c'est un donjon! C'est parti! Il y a eu combien de candidatures au final? 335. C'est pas vrai, il y en a eu plus en réalité. Quoi qu'il y a eu des doublons. En fait, c'est 335 en ayant exclu les doublons. En fait, on avait commencé à trier les doublons et on n'a pas tout trié. Il y a des gens qui ont envoyé 3 fois des candidatures. C'est pas forcément 3 fois. C'est par exemple, il y avait des gens qui s'étaient trompés et ils renvoyaient leur candidature pour pouvoir. Fois avec un lien qui marche, par exemple. Oui, voilà, par exemple. Du coup, on n'a pas tout trié. Environ 335. Ah oui, les banshees. Ah, les banshees dont tu m'as révélé le terrible secret dernièrement. Oui. En fait, les banshees sont des fées. Et donc là, on fait un combat de fées. Ah, Black Doom. Black Doom et son piège.
Et en attendant, tu dis voilà, mais en attendant, il s'était protégé la dernière fois. Ah oui, ça touche pas ta fille. Et bah voilà, regarde, mais quel talent. Oh non, mais Black Doom, c'est un génie. Mais c'est un génie du combat. Oh, ça fait trop mal, une banshee. Oh, c'est là, regarde, en plus, c'est super belle, on dirait un Super Saiyan. Ah bah oui, regarde ça. Oh, c'est magnifique. C'est super, non, mais c'est comme Super Vegeta, c'est pas n'importe qui. Franchement, tu disais, c'est bizarre, hommage Vegeta, mais c'est parfait. C'est en parfait. Réalité, ça lui va bien. C'est très bien. Ça va bien, ça va bien. C'est très bien, c'est très bien. Bon, là, par contre, ne tue pas Black Doom. Il n'y a que Shadow qui a le droit de faire ça. Bah oui, c'est pas fini du coup. Mais on va soigner Black Doom parce que le pauvre. Oh, c'est vrai qu'elle est trop mignonne, Ribbon. Ah, mais non, mais non, mais tu l'as refait là. Ça y est, maintenant l'équipe est au complet, elle est au summum. Alors, de sa... c'est pas vrai, techniquement j'ai pas touché à Vegeta, j'ai juste mis 2-3 autocollants, mais pas... je pourrais... Il n'y avait pas besoin de plus. En vrai c'est dommage, parce qu'il n'y a pas de coiffure qui font Super Saiyan, enfin même des coiffures Vegeta, parce que la coiffure de Vegeta change pas en Super Saiyan normal en fait. Et vous avez fait tous les mi-des candidats ? Eh oui. Eh oui, c'était long, c'était... Enfin bon, on n'a pas fait, effectivement, comme dit Octofox, il y avait des gens qui... On va chercher le coffre. Il y a des gens qui nous ont donné un code à télécharger, ils avaient déjà fait leur mi, donc ça nous a permis d'aller plus vite. Pourquoi je cours ? Il faut pas que je cours, ouais, ça glisse c'est vrai que là, dans la team, il y a que des mi qu'on a fait nous-mêmes. Ça vient de quoi, le quatrième mi ? Ça vient de Shadow the Hedgehog. Oh, regardez, Black Doom, allô, ok. Oh, faut lui faire peur. Ça marche. Et oui, c'est comme ça qu'on fait partir un OK. Ça marche pas trop sur toi. Hein. Toi, sur ton OK, il est parti pour 3 heures. Non, mon OK dure au moins 1 heure, c'est incroyable. Je déteste avoir le OK. En plus, ça fait trop mal. Ah, j'avoue. Mais moi, tu vois, ça va, tu vois. Mais t'as pas de chaussures, Black Doom. Bah, il vole, mais bon, il a un trou dans sa toche. Ah oui, c'est vrai qu'il a, il a des bouts de tissu. Tout abîmé. Terrible, un hockey qui arrive sans prévenir. Non, mais je déteste quand le hockey il arrive sans prévenir, ça m'arrive souvent. Surtout en plein milieu d'une vidéo, t'es comme ça, là, tu veux faire ta phrase, et puis là, t'as le hockey qui arrive. Mais moi, ça va, c'est que un hockey qui arrive. Il arrive comme ça, il me donne un gros coup de poing là dans le ventre et il mange mon PM, Vegeta est content. Miam miam les bonbons. Toi au moins, toi c'est une salve de coup de poing que les OK te donnent. Oui, c'est terrible. Oh non, Ribbon pleure. Non. Ah, abri, ça y est, on a débloqué l'abri. Un endroit protégé où un mi en difficulté peut s'abriter. Oh, un problème avec un mi, le retour à la normale va prendre un certain temps. Pour accélérer le processus, n'hésite pas à utiliser l'abri. Le mi bénéficiera même d'un petit bonus de PV et de MP. Toutefois, un mi à l'abri ne peut pas se battre avec le reste de l'équipe. Tiens bien compte de ce paramètre. Allez, Ribbon. Au camp. Non, on peut pas de combat automatique. Oh là là. Ça ne rigole plus les Banshees. Ah mais en plus on a perdu notre attaquant là. Mais attends, qu'est-ce que tu racontes ? Il y a Vegeta, il est toujours là. On va soigner Vegeta justement. Et bonsoir à ceux qui arrivent. Ah ça y est, Ribbon ne pleure plus. Est-ce que je peux l'attendre maintenant ? Non, je peux attendre que le tour se passe. Ah non, tu peux pas. Ah non, 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 pas au camp. Pas au camp. Bah si, si tu connais pas le pouce, je suis dans le camp, c'est bon, tu peux pas me capturer de loup là, je sais pas quoi. Oh là 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 là. Oh, Black Doom. Premier en cas, banane PV. Okay, oh, c'est moi le PV. Non, 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 non. oui, Ribbon est une guerrière. Allez, 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 vas-y, Italie. Détruis cette banshee. Aïe. Quel frimeur! Il vise le point faible! Je suis Super Vegeta! Waouh! On lui a fait si mal et pourtant elle est pas morte! Et donc, entre tous les mi qui étaient le plus compliqué à faire, on l'a déjà vu. Je parle beaucoup de Miruma qui était super longue à faire parce que je m'y suis pris en 2 jours parce que j'avoue que là, je l'avais commencé à la faire et après j'ai dit là. Faut que je fasse une pause, je reviendrai dessus demain. Ah, y en a un qui est pas mal aussi. Hein. Oui.
Oui. Désires-tu le spoiler? Ah bah je sais parce pas. Parce qu'en soi, soi c'est pas non, un... Non, tu ne veux pas. Spoil pas, tu ne veux pas de spoil, ok, très bien, pas de spoil. Je parle que des mythes qui sont déjà passés. Non, mieux vaut le découvrir. Eh oui, oui. J'espère qu'il passera. On a reçu une lettre. C'est moi le maire, désolé pour l'écriture, maman, arrête pas de te plaire. Il aime beaucoup nous écrire des lettres. Il en peut plus, Sight. Oh, trop bien, on a écouté 70 musiques différentes déjà. Déjà. Et la caméra ne refonctionne plus. Alors, on n'a pas, on n'a pas eu le temps. J'avoue que, voilà. Merci Luc Trépremont pour l'abonnement. Amélioration d'un salaire PV déjà. Je me demande si le mien est déjà passé. La gratitude des habitants que tu as renforcé tes pouvoirs. Oh, je lis la moitié des mots. Que tu as renforcé tes pouvoirs. T'apportes de l'espoir à tout Métopia. Continue à vaincre les monstres qui se dressent sur ton passage. Prochaine étape, sauver 100 habitants. Bon courage. Oh, oh, oh. Demain, c'est mon anniversaire. Ah, c'est trop bien. J'ai presque honte. Bah non, au contraire, c'est trop bien. Tu nous écris tout le temps, c'est trop gentil. Mais oui. Ah, dialogue entre Ribbon et Vegeta. Il faut pas avoir honte, il faut rigoler. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Ah non, mais pourquoi? Et en fait, tu parlais plutôt fort dans ton sommeil. Et tu veux que j'en ai à faire quelque chose? Tu n'arrêtais pas de dire moi aussi. Moi aussi, je suis plus fort que toi, Kakarot. Ah, oh, bien joué, bien joué. Il dort dans un méga grand lit, mais oui, c'est vrai, un Black Doom. Il dort dans un lit de géant. Ah, mais si je mets Vegeta avec Black Doom, je vais remettre Tali avec Ribbon. Ils sont déjà super hauts dans leur niveau. Sortons. On n'a pas vu Black Doom à la pêche. Mince, j'ai dit que c'était Tali qui pêchait. Elle aime bien pêcher. Tu peux les mettre dans une chambre séparée. Non, il faut pas perdre bah, si de tu... l'expérience. Bah, ça sert à rien de pas les mettre dans une, enfin, de les mettre dans une chambre non, séparée. Non, ils le sont pas, Black Doom. Ouais, pourtant, bah... t'es avec Tali, ça peut que bien se passer. Oh, mais non, la dernière fois, c'était bah non, déjà Tali qui avait pêché. Justement. Oh non, c'est encore Tali qui pêche, mais bah ça non, va. Les deux pêchent, ça va. Ça ne mord pas. Oh. J'ai entendu quelque chose. Une banane. Eh oui, les bananes, ça vit dans la mer. Bah enfin, oui. Dans la rivière actuellement. Ben, que vous ne pouvez pas transporter en temps web, ok. Oh bah dis donc. Wow. Oh bah dis donc, pêcher wow. des bananes, c'est la folie en fait. En vrai, ils sont bien élevés, Tali et. Oui, oui, Tali Black Doom là, ça. Finalement, tu vois, hein, t'es ça en va, mode. Non, machin, jambon en plus, tu vois. Toujours du jambon. Ah oui, oui, la Tali, faut absolument qu'elle aille avec Vegeta. Hein. Absolument qu'elle aille avec Vegeta. Ouais, c'est le gang des blonds. Oui, voilà, Ribbon et Black Doom, ça va pas fort. Allez, faites je sais pas quoi, j'ai pas vu quel ticket j'ai pris. Allez, je crois que tu les as emmenés à la mer. Enfin. Bah voilà, un tour à la plage. J'espère que Mommy va être choisi. Il y a que Ribbon qui aime le jambon, bah oui. Mais oui, Ribbon, elle a trop changé, Ribbon. Hein. Elle s'est refait une beauté. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est incroyable! Oh là là, Black Doom! C'est une danse célèbre chez les Blackhawks. Enfin, tous les jours. Ah, c'était un échauffement! C'était pas terrible, hein, quand même. Ah, bah, ça lui a bien plu, quand même. Bien joué. Il est incroyable, Black Doom. Oh, on a même un fromage! Oh, qui veut manger du fromage? Oh, Black Doom, je suis sûr qu'il veut goûter le fromage. Oh non, mais... Black Doom! Vous m'osez me donner de la nourriture humaine. Bah oui, bien sûr qu'on peut te donner de la nourriture humaine. Oui, allez, un petit verre de Banshee. Oh, Vegeta s'est régalé. Oh, Vegeta. Oh, oui, il est l'arme de mes ennemis. Allez, toi aussi, Tali. Elle a trouvé ça bon. C'est pas mal du tout. Oh, une barbe à nuages. Oh non, c'était dégoûtant. Oh, elle est même morte. Désolé pour toi, Tali. Ribbon. C'est pareil, c'est une fée. Ribbon, le jambon. Bah oui, mais Ribbon, elle veut que du jambon, évidemment. Tu l'as eu, le coffre? Ah non. Attends. Déjà, on y va. 3, 2, 1, partez! C'est une guerrière, elle a pas besoin de sucre. Et entre les quatre personnages, est-ce que Vegeta était le plus facile? Bah, étant donné que c'est un Vegeta qui date de ma Wii. C'est littéralement un Vegeta Wii. C'est le Vegeta qui vient de ma Wii, donc. Il a pris à peine 5 secondes à être créé. C'est vrai qu'il a pas été très très long, effectivement.
on vous l'accorde, c'est le mi le plus feignant. Mais honnêtement, en fait, il n'y a pas mieux, je trouve, comme coupe de cheveux. Comme oui, je disais, il n'y a pas de meilleure perruque. Il n'y a pas que la perruque qu'on peut changer, c'est sûr. Ok, Vegeta, il est parti, hein, genre, c'est bon. Salut, Vegeta. Finalement, il les a attendus toujours pour le coffre. Le gros coffre. Pourquoi on ne l'ouvrirait pas? Oh, c'est pour Vegeta en plus. Ah, le Vegeta des étoiles. C'est là-bas que j'ai appris à me transformer en Super Saiyan. Il est plus étoile jaune ou étoile orange? Ou alors tout bleu? Non, étoile jaune. Étoile allez. Blanche. Ah, l'étoile blanche. Ah, quoi que c'est, hein. C'est pour le machin oui. Là. Ouais. Allez, peut-être étoile blanche. Allez, vas-y, pars pour l'étoile blanche. Mais oui, c'est très bien comme ça. Végétoile! Ça me dit quelque chose, ça. Je crois qu'il y a vraiment une étoile qui s'appelle... Bah oui, c'est dans Mario et Luigi. La star des superbes. Non mais nous, on veut tout mettre. Ah déjà, il faut qu'on s'arrête. Mais j'avoue... On vient à peine de commencer. Oh là là, elle l'a louché, là. Sauf Ribbon, elle en veut pas. Mais c'est très bien, Ribbon, elle en aura pas. Mais non. Oh les fées, vous avez des goûts, hein. Mais c'est... qui veut manger des sucs de papillons aussi? Ah bah Ribbon, elle a jamais mangé de champignons, parfait. Oh non, c'est dégoûtant les champignons. Tu sais qu'actuellement, il y a vraiment des gens qui détestent les champignons. Bah Ribbon en veut, bah Ribbon du coup. Non mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Alors, qui veut quoi? Vous voulez des armes? Ah oui, des armes. C'est très bien. Oh, elle veut 310 à lui, là. C'est qui a l'arme la plus nulle? Bon, ils sont tous pareils. Vous en êtes tous au même point, hein. Oh, mais toi, t'es si en retard que ça niveau tenue! Parce que normalement, la prochaine c'est 310. Impressionnante cette tunique en dentelle. Je suis désolée, je sais que tu veux augmenter les armes, mais la défense de notre main caractère est très importante, elle aussi. Eh ben. Mais c'est trop bon le champignon. Ah, bah moi je suis plutôt d'accord, j'aime bien. Ouais, mais Ribbon n'aime pas. Moi j'aime bien les champignons aussi. Alors, Tali, bah toi, Tali, ce sera ça. Ah, c'est mignon! Ouais, non, elle est sympa la tunique, le machin. Les nouvelles textures de la tunique dentelle, j'avoue qu'au moins les... Au moins maintenant on a des vraies textures. Bon, je suis désolée, mais Black Doom il me fait de la peine avec son couteau en bois, donc... Mais j'avoue que, il a gagné 5 points d'attaque quand même, là. Je vais lui donner sa dague, et les autres, bah, vous l'aurez après. J'espère que dans ce jeu, il y aura des oignons et que Vegeta aimera ça. Ah oui, Black Doom et Vegeta ont aucun lien ensemble. Mais oui, les pauvres. Ah, oh, je vais les mettre ensemble quand même, parce que... Attends, là, t'es reparti. Bah oui, bravo. On peut pas, genre, directement... Ah bah voilà. Mais non... Je vais leur donner du sel. Merci pour les deux cheers. On est salé. Je sais pas pourquoi je m'étais dit que si j'y retournerais, j'allais retourner à l'auberge, mais pas du tout. Il faut aller dans le menu. Voilà. Donc, voilà. En plus, ils ont la plus grande chambre. C'est beau. Bah en même temps, il leur faut bien ça, je pense que... T'imagines, ils s'entraînent dedans. Mais oui, c'est exactement pour ça. Bah bon, est-ce que Black Doom a besoin d'entraînement, tu me dis? J'attends avec impatience la tenue en muscle en HD. Oh. Oh, oui, c'est vrai qu'il y a ça. Tu veux pas tester la nouvelle dague de Black Doom? Ah bah... On verra, mais pas dans l'hôtel. Alors, des banshees. Donc ça va, on connaît. Allez, boum. Ouf. Une claque. Quand même, vous croyez que... Mais non, il fallait pas manger la banane. On t'aurait soigné. Bien fait. Oh là là, Vegeta. Il va impressionner Ribbon. Donc, finalement, Vegeta n'est pas insensible au charme de Ribbon. Bon, en même temps, il doit se dire, elle est forte quand même. Oui, et vu que, voilà, il aime bien les gens qui sont forts. Finalement, c'est un peu Ribbon qui l'admire. Ah non, 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 s'il te plaît. Ne dis pas ça devant lui, il va s'énerver. Pas d'admiration. Et où allons-nous? C'est combien de mi-max dans l'équipe? Bah, on va en mettre 9, effectivement, mais on peut en créer à l'infini des mi, mais nous, on va en mettre que 9, comme ça, en fait, l'auberge est remplie et il n'y a pas des gens qui dorment à l'hôtel. Hé, hey, Ribbon, as-tu un cri de guerre pour te stimuler en combat? Je crois pas, hein. Non, elle en a pas actuellement. Non, je n'y ai jamais vraiment réfléchi. Ah, dommage. Oh, elle est déçue. Oh, la déception, franchement. Vite. T'as pas honte de décevoir.
Comment décevoir Tali. Oh, les gluants de... Ah, oh, ça, pomme. Ça va faire plaisir à Black Doom. Non, je veux pas attaquer, je veux soigner Vegeta. Non, je veux soigner Vegeta. Pas mal ce sort. Pas mal ce sort. Oh, Tali, elle est tellement serviable. Oh là 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 là. Ce géant est le plus fort de notre armée. Oh là 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 là. Merci Luxio. Vegeta, par contre, t'es fier de toi, mais... Oh non, mais... Regardez-le. Il est fier de lui, c'est bon. Mais non, Ripon, ne mange pas des bonbons. Mais tu comprends, je fais que la nourrir de choses qu'elle aime pas. Au bout d'un moment, elle a faim. Mais non. Arrêtez de manger des bonbons. Oh là 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 là, quel bon. Ah non, ça va, il peut toujours attaquer. Bon, ça va, j'ai rien dit, Vegeta. Ce n'est pas une flèche, c'est un nez. Ribonbon. Ribonbon. Victoire. Tout le monde passe niveau 5, c'est très bien. Vaillante protection. Ah, c'est gentil. Un petit larcin, il tente de voler des encas à l'ennemi. Oh là là, Black Doom, quel petit coquin. C'est pour le cul, c'est bon. En fait, oui, c'est ça qu'il cherche. Est-ce que vous auriez pas un Kyo Simon là? Non, oh, quel dommage. Oh là là là. Alors là. Bon. C'est la foire là. Ah, mais heureusement, Tali elle veut toujours aider. Elle a tué personne. Je vais attaquer le cumulus quand même. Mais bah d'accord. Allez, boum. 9. Du caméam, c'est ça? Non, Vegeta ne sait pas. Non, Black Doom, il regarde ailleurs. Mais quel frimeur ce Vegeta, mais c'est incroyable. Il fait que frimer tout le temps. Oui. La voix de Black Doom fait bien mal quand même. C'est parce que là, elle l'avait aidé Tali. Attends, est-ce que je devrais pas plutôt soigner Black Doom? Quelqu'un d'autre fera le kill. Attends. Oh, c'est la puissance des fées! Oh, il y a même un cœur. Tu devrais mettre un cœur à Ribbon, elle a aidé. Bien joué tout le monde. On s'en sort sans trop de dommages. Si tu veux, Vegeta, si tu veux, si tu veux. Oh. C'est nouveau cette tenue? Ça te va plutôt bien. N'est-ce pas? Tali apprécie le compliment. Ils ont besoin d'augmenter leur amitié. Elle n'est point assez élevée. Mais non, c'est pas une mamie, Tali. Ah, ça y est, tu as battu 10 types de monstres. Bravo, félicitations. Le jeu a l'air trop cool quand t'as des mis intéressants. Je m'amuserai pas du tout à y jouer, mais à vous regarder, c'est un vrai plaisir. Bah, je pense qu'effectivement, c'est vraiment un jeu qui passe hyper bien en stream, en vidéo ou quoi, parce que tu rigoles bien avec les gens, parce que les mis font n'importe quoi. C'est un jeu convivial, Mythopia. Même si je pense que ça reste quand même sympa à jouer quand même, parce que bon, finalement, j'aimais bien jouer à Tomodachi Life, même si... Je l'ai pas fait en stream ou quoi. Merci PlaySonic. Bah en fait l'avantage de Tomodachi Life c'est que pareil on avait rempli notre maison de Mi qui représentait des personnages de manga, de jeux vidéo et tout. Il se passait des choses incroyables, Broly voulait sortir avec toutes les filles. Il sortait avec toutes les filles qui se faisait recaler à chaque fois. Hein. Oui. Il a jamais get une seule fille. Il a jamais réussi à sortir avec quelqu'un le pauvre. Ah oh là là, Vegeta ce... Mais du coup c'est pour ça qu'on a beaucoup déliré sur Broly qui aime les... Qui aime les filles. Qui aime les filles. Enfin, qu'il y a un espèce de dragueur, machin. C'est à cause de Tomodachi Life. C'est juste à cause de Tomodachi Life actuellement. T'inquiète pas, au Japon, c'est canon. Mais c'est canon, voilà, j'allais dire. Mais c'est ça le plus drôle. Parce qu'en fait, il existe des mats japonais. C'est un peu l'équivalent des... Des YouTube poop. Bah, en fait, je dis ouais, des YouTube poop. Mais en fait, ça englobe plein de trucs. Hein, genre des bref, vidéos musicales. Il y a toute une communauté à fond sur Broly. Et Broly, il adore les filles. Et Broly adore les filles. Par contre, pourquoi Tali a pas mangé, la pauvre? Et qu'est-ce que je voulais dire? Et Broly est super gentil, d'ailleurs. Oui, Broly est super gentil. Broly, c'est le héros. Il aime juste pas Vegeta.
Oh, il y a plein de gens qui l'aiment pas, hein. Il aime pas Paragus non plus. Une robe rapiécée, 2 tickets de sortie. Ouais, mais on n'a pas beaucoup de chance. Pas une chance sur 4. Allez, on en fait un petit pour aller le jeu. Pour tenter. Tu vas avoir une gelée baveuse, je le sens. Vous pouvez donner à manger à tous les persos en même temps en faisant hasard. Oui, mais là, on veut donner de la nourriture qui n'a pas été donnée encore. Non, c'est la robe rapiécée. Pour que comme ça, tout le monde ait mangé un truc inconnu. C'est même pas gelée baveuse, je suis déçu. Plus c'est pour Vegeta ça. Ça serait bien que j'appuie sur A et pas sur B. Super, on adore. Non mais on la donne à Vegeta mais on... Voilà, c'est très bien. Bon, bah voilà, c'était le ticket. C'est comme un souvenir d'il y a 6 ans sur DBZ et footballeurs. Bah c'est justement ça. Ça faisait partie ah, de ces... Ah mais attendez, la Ribbon elle veut acheter une nouvelle épée. Cette vidéo de Broly et le football, c'était bien un match japonais du coup de Broly. Et du coup, bah, Piccolo était le ballon de foot, parce que Piccolo c'est souvent une victime. Et ça, c'est vrai dans les films Dragon Ball de manière générale. Waouh! Waouh! On n'a pas d'argent. Allez, c'est parti! Oh, mais Black Doom et Broly, du coup, vous avez toujours rien fait. J'aurais dû leur faire une petite sortie. C'est pas grave. Ah, regarde, on va pouvoir sauver Pierre. Le moment tant attendu. L'esplanade du château. Vegeta le super bouffon. Oh, le pauvre. 3, 2, 1, partez. Mes chiens me manquent. Ah, parce que t'as des chiens. Ouais, non, bah, c'est pas mes chiens, mais c'est le chien du professeur, vous comprenez. Mais il a un chat. Bah, c'est pas grave. Il a plein d'animaux, bien sûr qu'il a des chiens. Plus qu'un visage à trouver. C'est pas fini. On s'en sort plutôt bien jusqu'à présent, non? Qu'est-ce qui te dit que le prochain ne sera pas imbattable? Genre une poule très méchante! C'est vrai, je n'y pensais pas! Non, je pensais plus à un géant. J'imagine bien voir Dami dans le rôle du roi ou de la princesse. Ah, mais moi, Dami est déjà passé. Je suis déjà passé. Du coup. Mais bien sûr, mais je t'assure, Vegeta! Ah, oh, mais par contre, le meilleur, il est là! Voilà qu'on se retrouve. Maintenant, tu t'en sors avec Bad. Tali, elle parle des cocottes. Bah, évidemment que Tali, elle parle des cocottes. Hein. Elle sait de quoi. Bah, les cocottes, c'est les meilleurs. Elle sait de quoi elle parle. Wouah ! Pitoyable, tu ne vaux même pas la peine que je me fatigue. Voilà qui devrait suffire pour te régler ton compte. Oh ! Oh là là! Eh, c'est trop bien, parce que tu vois, le mille est violet et il a des tatouages violets. Ça doit être le château du début, je suppose. Quant à ce feignant de roi, je lui réserve une petite surprise. Pas de visage correspondance. Mais oui, c'est trop bien, les tatouages de Pierre, ils vont bien avec le. Avec le. Avec le. Avec la couleur. Le petit diable Pierre. Rien que pour ça, c'est quand même cool d'être le marchand. Bon, on va attaquer Tidia Pierre. Black Doom fera le reste. Allez, vas-y. Impressionne, Tali. Bonjour, ça va, c'est que des... C'est trop bien d'avoir un mage et un voleur pour les combats où il y a plein d'ennemis. Attention. Ah. Oh, enfin. Merci. Ils étaient pas encore assez amis, tu vois. Oh, wow, Vegeta, oh, il a pris beaucoup de dégâts. Et il dit décidément Black Doom, il veut vraiment beaucoup impressionner Tali. Bah, en même temps, oui. Qui ne veut pas impressionner Tali? Oui, j'allais dire personne dans l'équipe. Par contre, qui veut impressionner Vegeta? Personne. Ils savent pas encore à qui il a affaire. Oh non, Tali. Oh, Black Doom! Black Doom, il enchaîne direct. Hein. Pas de problème. Secrètement, Black Doom est amoureux de Tali. Bon. Bah, on va soigner Tali. Hein. Mais Ribbon est toujours là pour aider. Oh là là, il enchaîne le petit diable! Ouh, chien. Attaque, j'attaque avec toi. Il nous faudrait des bananes PV. Il nous faudrait des bananes. Avez-vous une Chaos Emerald?
Yes. Oui. Bon, est-ce qu'on utilise une salière ou est-ce que ça va aller? Non, je pense que ça va aller. Mais ça a marché en plus. Ah, c'est Black Doom quand même. Ouf. Bon, ça va. Et voilà. Ah bah voilà, c'est bien. C'est bien. Trop bien, Black Doom, on peut compter sur lui. De tout cœur, merci. Eh mais j'avoue, c'est un Yiga. Ça aurait été trop bien d'avoir un Yiga. Alors c'est qui va avoir le bonus d'exp? J'hésite. Oh, ah maintenant il peut dormir. Non, il peut faire endormir les gens. Ah, c'est 60 points d'expérience en plus. Hein. J'hésite à les donner à Tali. Ou à quelqu'un d'autre. Et toi, tu préfères qui? Moi, je sais pas. J'avoue que tout le monde est plutôt équilibré. Enfin, bon, bah, ce sera Tali. Même si Vegeta est légèrement en retard, c'est... On a super gâteau du diable. Ça fait plaisir. On va trouver une auberge. Il y a des auberges partout, hein. C'est beau. Oh là là. Qui est le plus grand fan des bananes PV de l'équipe? Ah, j'avoue que... Ça y est, ils vont s'entraîner. Nous serons magnifiques, rien ne nous résistera. Place à l'entraînement. Le lien qui les unit se renforce. C'est tellement RP que Vegeta y passe ça. Ah non, mais c'était sûr qu'ils allaient s'entraîner, c'était sûr. C'est trop bien. Pour l'instant, c'est pas encore des machines, mais c'est pas mal. Moi, je dis, ça mérite une petite sortie au bord de mer. Pour pas refaire leur entraînement, ils vont au bord de mer, je vois. Bah oui, maintenant, il faut aller courir. C'est bien parce que la plage, elle est accessible de partout. Il est déjà tard. Dis. Fait que tout veut devenir son propre géant le plus fort de son armée. Qui dit plage, dit château de sable. C'est pas encore ça. Qui dit goûter de plage dit... Classe. Ah. J'en veux. Moi aussi. Oh là là, il avait des yeux trop bizarres, Black Doom. Non, il avait des joues rouges. Ah ok, j'ai eu peur, je me suis dit pourquoi il a un œil qui est descendu tout en bas. Ce sont des joues rouges. Bon, en tout cas, à chaque fois qu'il y a Black Doom, ça se finit en banane PV. En tout cas, ça, on peut vous le dire. Oh wow, le bâton sucette. Oh, il y a 3 tickets de sortie aussi. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de chance. Il n'y a pas beaucoup de chance, mais bâton de sucette, ça. Ils s'entendent bien, je vous dis que ça va. Hein. En tant qu'ex-méchant, vous comprenez. Waouh. Incroyable. Ah, mais ça augmente même la magie en fait, c'est trop bien. Bon, on n'en a pas besoin d'autant. Non, mais en fait, j'ai pas d'argent. À la place, on va manger. Qui veut le super gâteau? Black Doom, je suis sûr, il le veut. Bah oui, comme ça, il augmente sa magie, ça lui fait plaisir. Bah regarde, il est super content. Au fond de lui, c'est un mage des ténèbres. J'en suis sûr. Allez, Rivonne, t'as le droit à tout le jambon. Ça fait longtemps que tu l'as pas mangé. Bon, maintenant qu'on a... Je te propose d'aller voir notre ami Pierre, et après, on arrêtera la VOD. Oui. Très bien, très bien. C'est exactement ce que je comptais faire. Ah, c'est beau. Bah ça va. Finalement, la démo, je pense qu'elle s'arrête à peu près là, je pense. Ouais, elle s'arrête là. Et enfin, un peu après. Ça aura fait une vidéo supplémentaire. Ouais. C'est bien ça. Allez, rendez à ce pauvre Pierre son visage. Vous êtes sur la démo ou le vrai jeu? Les deux. Quel bel jour. Les deux. Techniquement. J'ai retrouvé mon sourire. Ça me rend joyeux et gai comme un poinçon. Ah, madame la voyageuse. Vous nous avez rendu un immense service. Laissez-moi vous témoigner ma gratitude. Digé. Non, un tu vois. Goût. Il est sympa, pas comme une certaine mie. Et voilà, maintenant il fait beau. Ah, je veux quand même savoir ce que me dit. Oui, non, mais je disais, ouais, tu me parles là. Quoi?
Quoi ? Mais tout est redevenu normal dans ma ville depuis quand ? Pour une nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Oh, madame la voyageuse, je vous ai envoyé plein de lettres. Quoi ? L'avatar du mal est parti vers le château ? Mais c'est affreux, nous sommes perdus ! Clac, 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 clac ! Noble voyageuse, accepterez-vous d'aller affronter l'avatar du mal ? Bah, j'ai pas vraiment le choix. Eh bien, dans ce cas, j'ai une voix dans ma tête qui me dit... On a obtenu une lettre du maire. Vous aurez besoin de ceci pour accéder au château. Oh, et surtout, faites bien attention à vous. Je crois que la démo s'arrête là, mais en fait, là, tu peux continuer de te balader, mais en fait, le garde, il dit « Eh, t'as peut-être la lettre du maire, mais je te laisse pas passer. » Eh bien, voilà, c'est très bien. On a sauvé tout le village du début. Bravo, bravo. J'espère que ce premier arc vous a plu. Et puis, on se retrouve dans la prochaine partie pour le prochain arc. Au revoir, tout le monde. Salut, salut. Thank you.